Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Personne d'autre. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, en fait, vous êtes le bienvenus. On ne fait que déconner. Tout le monde est le bienvenu. On veut vous avoir en grand nombre parce que c'est important qu'on soit réunis en grand nombre pour comprendre ce qui se passe ensemble. C'est plus rassurant et c'est réconfortant. Ceci étant dit, chers amis, on est le 24 octobre 2019. 16h8h du Québec. Beaucoup de choses, hein, euh, beaucoup de choses se passent, tout va vite. Mais il y a une chose qui est vraiment euh, aussi en accélération, c'est le changement de pôle. Vous savez que la Terre a deux pôles. Il y a le, le pôle euh, géographique hein, qui lui ne change pas de position, mais il y a le pôle magnétique qui lui est en constante évolution, pas en mouvement. Absolument euh, bouge pas à un rythme aussi. Euh, Effréné que maintenant, maintenant, ce, ce pôle euh, magnétique bouge à une vitesse de 25. 25, on nous dit qu'il bouge à une vitesse de 25, euh, à peu près 25 000 par année. c'est vraiment énorme, alors que dans le dernier siècle et demi, ça a bougé peut-être d'une centaine de mille à peine. Donc, on est dans un événement euh, Unique, euh, probablement on est en train de vivre, les pôles changent, le champ magnétique bascule et ça devient vraiment méchant. Le bouclier qui protège la Terre du, du rayonnement solaire est attaqué de l'intérieur. Nous ne pouvons pas l'empêcher, mais nous devons nous préparer. J'ai parlé tout à l'heure des tempêtes géomagnétiques qui vont être probablement dévastatrices parce que justement notre magnétosphère s'affaiblit. Le champ magnétique terrestre est en train de basculer. Un jour, de 1905, le géophysicien français Bernard Brunens a rapporté à son laboratoire des roches qu'il avait découvertes d'une route fraîchement tracée près du village de Pontfarin. Quand il a analysé leurs propriétés magnétiques, il s'est étonné de ce qu'elles montraient. Il y a des millions d'années, les pôles magnétiques de la Terre se trouvaient de l'autre côté de la planète. Le nord était le sud et le sud était le nord. La découverte a par, nous a démontré une anarchie planétaire et les scientifiques n'avaient aucun moyen de l'expliquer. Aujourd'hui, nous savons que les pôles ont changé de place des centaines de fois, le plus récent, il y a, le plus récemment, il y a 780 000 ans. Parfois, les pôles tentent d'inverser les positions puis se remettent en place lors d'une simple excursion. Et ça, cette, cette fois-là, la dernière fois que ça s'est produit, c'est il y a environ 40 000 ans. Nous savons également que lors de la prochaine fois, les conséquences sur l'infrastructure. Électriques et électroniques de la civilisation moderne seront terribles. La question est de savoir quand cela se produira. Donc, il y a quelques vidéos d'explications intéressantes, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Au cours des dernières décennies, les géophysiciens ont tenté de répondre à cette question par l'imagerie satelli satellitaire et les mathématiques. Ils ont découvert comment scruter profondément à l'intérieur de la Terre jusqu'au bord du noyau métallique en fusion où le champ magnétique est continuellement généré. Il s'avère que, que le dipôle, le champ magnétique ordonné à deux pôles auxquels nos boussoles répondent, est attaqué de l'intérieur. Les dernières données satellitaires issues du trio Swarm de l'Agence spatiale européenne, qui a commencé à faire rapport en 2014, montrent qu'une bataille fait rage à la limite du noyau, comme les factions. Qui planifie un coup d'état. Des grappes tourbillonnantes de fer et de nickel en fusion gagnent en puissance et drainent l'énergie du dipôle. Le pôle magnétique nord est en fuite, signe d'une turbulence accrue et d'une imprévisibilité. Une cabale de l'hémisphère sud a déjà pris le dessus sur environ un cinquième de la surface de la Terre. Une révolution se prépare. Ces blocs magnétiques acquièrent suffisamment de force et affaiblissent encore plus le dipôle. Ils forceront les pôles nord et sud à changer de place tout en s'efforçant de retrouver la suprématie. Les scientifiques ne peuvent pas affirmer avec certitude que cela se produit actuellement. Le dipôle pourrait repousser les intrus, mais ils peuvent dire que le phénomène s'intensifie et qu'ils ne peuvent pas exclure la possibilité d'un retournement. Il est temps de prendre conscience des dangers et commencer à se préparer. Le champ magnétique est en train de changer, les pôles sont en train de basculer et, là va, et cela va devenir vraiment mauvais. Cette animation montre le mouvement du pôle magnétique nord à intervalle de 10 ans, de 1970 à 2020. Les lignes rouges et bleues indiquent une déclinaison, soit la différence entre le nord magnétique et le vrai nord, selon l'endroit où l'on se tient. Sur la ligne verte, une boussole indiquerait le vrai nord. Ça, c'est le visuel des centres nationaux d'information de la NOAA. Donc, voyez-vous. C'est ce que ça donne. Le champ magnétique terrestre protège notre planète des dangereux rayons solaires et cosmiques, comme un bouclier géant. Lorsque les pôles changent de place ou tente de le faire, ce bouclier est affaibli. Les scientifiques estiment qu'il pourrait perdre jusqu'à un dixième de sa force habituelle. Le bouclier pourrait être compromis pendant des siècles, tandis que les pôles bougeraient, permettant ainsi au rayonnement malveillant de se rapprocher de la surface de notre planète. Comme on en parle souvent, comme je le répète souvent et comme j'essaie de l'expliquer souvent, déjà les changements au sein de la Terre ont tellement affaibli le champ au-dessus de l'Atlantique Sud que les satellites exposés au rayonnement résultant ont connu une défaillance de leur mémoire. Ce rayonnement ne frappe pas encore la surface, mais à un moment donné, lorsque le champ magnétique aura suffisamment diminué, la situation pourrait être différente. Daniel Baker, directeur du laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l'Université du Colorado à Boulder, l'un des experts mondiaux sur l'impact du rayonnement cosmique, de, cosmique sur la Terre, craint que certaines parties de la planète ne deviennent inhabitables lors d'un retournement. Les dangers de tout ça, c'est le flot dévastateur de particules solaires, rayons cosmiques galactiques et rayons ultraviolets B renforcés provenant d'une couche d'ozone endommagée par les radiations, pour ne nommer que quelques-unes des forces invisibles qui pourraient nuire ou tuer des créatures vivantes. Les scientifiques n'ont jamais établi de lien entre les inversions précédentes de pôles et les catastrophes telles que les extinctions massives. Mais le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 780 000 ans, lorsque les pôles ont été renversés la dernière fois. Il n'y a, il, il, ou même il y a 40 000 ans, quand ils ont essayé de le faire, on n'était pas dans naturellement. Tout est, tout, est, tout est automatisé, tout est reliés à l'informatique, à l'électricité, à l'électronique aujourd'hui, ce serait catastrophique. Aujourd'hui, il y a 7,6 milliards de personnes sur Terre, soit deux fois plus qu'en 1970. Nous avons radicalement modifié la chimie de l'atmosphère et de l'océan avec nos activités, nuisant ainsi au système de survie de la planète. Les humains ont construit d'énormes villes, industries et réseaux de routes, coupant l'accès à des espaces de vie plus sûrs pour de nombreuses autres créatures. Nous euh, avons poussé peut-être hein, un tiers de toutes les espèces connues vers l'extinction et avons mis en péril les habitats de beaucoup d'autres. Ajoutez à cela un rayonnement cosmique et ultraviolet et les conséquences pour la vie sur Terre pourraient être désastreuses. Et les dangers ne sont pas que biologiques. Le vaste cocon cyberélectrique qui est devenu le système de traitement central de la civilisation moderne est en grand danger. Les particules énergétiques, solaires peuvent déchirer l'électronique miniature sensible du nombre croissant de satellites encerclant la Terre, les endommageant gravement. Les systèmes de chronométrage par satellite qui régissent les réseaux euh, électriques seraient probablement défaillants. Les transformateurs de la grille pourraient être incendiés en masse, étant donné que les réseaux sont très étroitement couplés les uns aux autres. Les défaillances se propageraient dans le monde entier, entraînant une série de pannes de courant qui pourraient durer des décennies. Mais ces dangers sont rarement pris en compte par ceux dont le travail est de protéger le pot électronique de la civilisation. De plus en plus de satellites sont mis en orbite avec une électronique plus miniaturisée et donc plus vulnérable. Le réseau électrique devient de plus en plus interconnecté chaque jour, malgré les risques accrus des tempêtes solaires. Pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone mobile, même chasser les toilettes ou remplir le réservoir d'essence d'une voiture serait impossible. Et ce n'est que le commencement. Hein? Les champs magnétiques se déplacent, les pôles peuvent basculer. Cela pourrait devenir très mauvais. Dans cette animation, les lignes bleues, hein? on l'a vu, ce que ça donne. Hein? Le champ s'affaiblit au dessus de l'Amérique du Sud, et la zone, et euh, la zone en Amérique du Nord est en train de perdre de la force aussi. Les lignes rouges, au plus fort de, la, de la, les, les lignes rouges au plus fort, et la ligne verte. Euh, la limite entre elles a des intervalles de 10 ans, entre 1910 et 2020. L'un des meilleurs moyens de protéger les satellites et les réseaux de la météo spatiale est de prédire avec précision l'endroit où la force la plus dommageable va toucher. Les opérateurs pourraient temporairement arrêter un satellite ou déconnecter une partie du réseau mais les progrès dans l'apprentissage de la traçabilité de la météorologie spatiale n'ont pas suivi le rythme de l'augmentation exponentielle des technologies susceptibles d'être endommagées et les opérateurs de satellites privés ne collectent pas et ne partagent pas d'informations sur la manière dont leurs appareils électroniques résistent au rayonnement spatial une pratique qui pourrait aller aider tout le monde à protéger ses équipements nous avons construit allègrement l'infrastructure essentielle de notre civilisation à une époque où le champ magnétique de la planète était relativement puissant, ne tenant pas compte de sa tendance à l'anarchie. Le domaine est non seulement tur turbulent et ingouvernable, mais à ce stade, il est imprévisible. Il aura son chemin avec nous, peu importe ce que nous faisons. Notre tâche consiste à trouver le moyen de faire en sorte que cela fasse le moins mal possible. Donc, tout ça, les tempêtes géomagnétiques, qui vont s'intensifier dans le sens où on est dans un minimum, grand minimum solaire, où l'atmosphère du Soleil est affaiblie aussi. Je peux vous dire une chose, c'est probablement juste une question de temps, et c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, dans, même dans les médias traditionnels, hein, de ces possibilités de tempêtes qui pourraient être vraiment destructrices. Enfin, je ne le souhaite pas, mais c'est probablement inévitable. L'important, ce serait de se préparer au moins individuellement et mentalement. Au pire, parce que le pire est loin d'être arrivé, chers amis.